Coucou mes chippies, bonjour. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo Ramadan Up. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon Ramadan. Ça y est, on est à J-10, je crois, J-11 de l'Aïd, Inch'Allah. Donc voilà, pour moi le Ramadan ça va, ça se passe comme ici, comme ça, on va dire. Un jour, bien un jour, on est vraiment fatigué avec la chaleur, etc. Mais alhamdoulilah. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo idée cadeau pour le Ramadan ou pour l'Aïd. Donc je vais commencer d'abord par... parce que j'ai acheté il y a quelques temps, je vous présente ça. Alors j'ai acheté ceci. Alors comme idée cadeau, moi donc je me suis acheté ça pour l'instant, en cadeau on va dire pour moi, pour le Ramadan. C'est l'art du coloriage voyage en Orient, donc c'est un petit cahier comme ceci, avec en fait des coloriages à faire à l'intérieur. On va dire c'est des coloriages zen en fait, qui vous rendent zen, qui vous font voyager, qui vous font déstresser, voilà. Et donc moi j'ai commencé par ce dessin là déjà. Voilà, j'ai pas encore totalement fini, mais voilà, c'est super parce qu'on est vraiment concentré dessus et les dessins sont vraiment jolis. Vous pouvez après les découper, décorer après votre maison avec des petits tableaux, etc. Franchement, il y a vraiment de jolis, jolis motifs à dessiner. Donc ce truc là, ce cahier là, ça coûte 6,95€. Donc 7€ et c'est vraiment joli. Donc vous avez donc celui-ci qui est en arabesque, que j'ai trouvé ça sympa en fait moi pour l'Aïd. Donc vous avez aussi d'autres dessins, mais celui-ci est bien, c'est le voyage en Orient. Et il est vraiment joli et c'est de la librairie Picolia, ou de la maison d'édition Picolia plutôt. Ensuite, comme autre idée cadeau que j'ai acheté donc maintenant il y a quelques bouts de temps, et je me suis dit tiens, je vais vous les représenter vu que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question d'où venaient ces flacons là. Et c'est ces deux parfums là en fait, donc deux parfums vraiment super orientaux comme ceci, donc style oriental. Les flacons sont magnifiques. Le petit truc en fait brillant ici, le petit faux diamant en fait qu'il y a dessus est vraiment joli quand on le voit en fait dans la lumière. Donc ces flacons là viennent de chez Alepia. Donc vous avez celui-ci, c'est le jasmin impérial, donc c'est en fait des parfums à base huileuse. Et ça je trouve ça sympa parce qu'il n'y a pas d'alcool à l'intérieur et vous avez 20ml à l'intérieur. Et vous savez comme j'aime le jasmin, ça sent vraiment vraiment hyper bon et ça dure vraiment très très longtemps vu que c'est une base huileuse. Et vous avez celui-ci qui s'appelle le parfum Alepia. C'est celui qui représente la marque Alepia. Et celui-ci est à la rose, je crois. Je crois que c'est à la rose. Il y a 12ml, il y a un peu moins. Mais franchement, le flacon est magnifique. Si vous avez des cadeaux à faire à vos soeurs, à vos mamans, à vos filles, pourquoi pas. Voilà des super jolis cadeaux à faire pour l'Aïd. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très joli. Voilà. Ensuite, on reste les parfums, etc. et les soins pour le corps, on va dire. Je viens vous présenter donc un parfum donc pour les messieurs, pour vos misters, pour vos petits maris, vos petits fiancés, etc. Donc c'est un parfum de chez The Body Shop qui s'appelle Red Musk et ça sent extrêmement bon. Mais franchement, vous pouvez pas savoir à quel point ça sent bon. Et je vous montre le flacon qui est vraiment joli, très masculin. Il est vraiment, vraiment très beau. Regardez la beauté du flacon. Et alors, je ne vous raconte pas. Ça sent vraiment le musc, mais à plein nez. Et ça sent hyper bon. Ça sent beaucoup, beaucoup mieux que les petits flacons. Vous savez qu'on a, qu'on nous marie des fois les petits flacons qui se mettent en fait comme parfum. Et c'est vraiment top de chez top. Ça, il y a 60ml, c'est une eau de parfum. Donc ça dure vraiment longtemps en durée, en tenue en fait sur la peau. Et le flacon est magnifique. Regarde. Donc voilà, toujours donc chez The Body Shop. Ils ont donc ils ont fait en fait des gammes. Alors en Angleterre et dans certains magasins à Paris, je crois, il y a Haussmann, Rony 2, etc. qui font en fait un paquet spécial pour l'Aïd. Dommage et malheureusement, on n'a pas ça ici sur Marseille. Les The Body Shop qu'il y a ici ne font pas ce coffret-là. Mais il y a un gros coffret en fait, il y a marqué l'Aïd à l'intérieur. C'est un coffret un peu comme qui se présente comme un calendrier de l'Avent. Et chaque jour du Ramadan, en fait, vous ouvrez une petite fenêtre et vous avez dedans une petite crème, un petit parfum, etc. Donc c'est super sympa. Ils ont aussi chez The Body Shop,
donc penser au Ramadan et à l'Aïd. Et franchement, c'est très rare qu'un site puisse en fait penser, penser aux musulmans, on va dire tout court, et à l'Aïd et au Ramadan. C'est déjà franchement un grand pas. Et franchement, je trouve ça super, super, et d'une ouverture d'esprit franchement top. Donc, ils ont fait, donc, on va dire, des cadeaux spécial Ramadan et spécial Aïd. Et vous avez donc des cadeaux qui sont des coffrets avec des jolis motifs arabesques, etc., qui sont vraiment sympas pour offrir ça donc pendant Ramadan ou pour l'Aïd. Donc je continue donc avec The Body Shop. Et cette fois-ci, je continue avec une gamme en fait à l'argan. Donc voilà, ça s'appelle donc Wild Argan Oil. Donc ici, c'est une huile qui s'appelle The Radiant Oil for Body and Hair. Donc il y a de l'huile d'argan à l'intérieur sauvage. Et ça s'appelle donc en français l'huile radieuse pour le corps et cheveux. Et c'est à l'huile d'argan du Maroc issue du commerce équitable. Et franchement, ça c'est super parce que voilà, ça fait travailler les femmes marocaines qui sont au Maroc dans les petites, on va dire, dans les petites coopératives en fait d'argan. Et franchement c'est super, et c'est bien pensé. Alors l'odeur, je vous raconte pas, ça sent extrêmement bon. J'ai ouvert ici juste le petit paquet et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait je compte vous les offrir. Alors je vous offre toute la gamme ici que The Body Shop m'a envoyé, et merci The Body Shop. Il y a aussi donc ici, vous avez l'huile d'argan sauvage bain moussant à l'huile d'argan du Maroc issue aussi du commerce équitable. Donc vous avez le bain moussant qui sent super bon, le bubbling bath, et il y a dedans 250 ml. Et franchement voilà, vous avez toute une gamme comme ça à l'argan qui sent extrêmement bon. Vous avez aussi le beurre corporel. Donc les beurres corporels de Body Shop, pour celles qui connaissent déjà, bon, je n'ai plus à les présenter. Pour celles qui ne connaissent pas, donc ils ont des beurres corporels de toutes les senteurs qui existent, celles que vous n'imaginez même pas. Donc vous avez ici celle-là à l'huile d'argan sauvage. Donc il est comme ceci. Je vous montre l'intérieur. Donc c'est un beurre corporel vraiment un peu, vous savez, en genre de comment on appelle ça, c'est un peu c'est un beurre corporel, c'est un peu pâteux, mais c'est vraiment agréable à se passer sur le corps. Et donc je vous offre ça prochainement, promis, dans un concours qui va arriver, donc inchallah pour l'Aïd. Je vous offrirai donc les trois petits lots, les trois petits produits à l'argan. Et pour moi, je me suis gardé donc ce beurre corporel là de chez The Body Shop aussi. Et franchement, c'est un coup de cœur. En ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les mojitos, avec les saveurs citron, menthe, etc. Mais je suis à fond. Et là, j'ai franchement eu l'honneur de tester le Virgin Mojito Body Butter. Le voilà. Il sent, mais quand je vous dis qu'il sent bon, c'est voilà, c'est pas assez. C'est pas assez vous décrire comment ça sent et la douceur que ça rend sur la peau, la fraîcheur, cette sensation de bien-être, de frais, de... C'est franchement top, top, top d'y avoir pensé. Franchement, The Body Shop, voilà, je kiffe totalement, et là j'adhère totalement. Donc voilà, ça s'appelle Virgin Mojito, je le répète, il sent extrêmement bon, c'est un coup de cœur. Et je pense que je vais aller voir s'il n'y a pas la gamme entière. Je vous montre aussi, donc ça c'est rapide parce que bon, je suis passée vite fait chez Primark et du coup j'ai trouvé ça sympa, pourquoi pas à offrir. C'est une petite bougie comme ça, donc vous avez celle-ci qui est en couleur donc on dirait du fer un peu vous savez, un peu cabossé comme ça, granuleux en fait, mais c'est je crois que c'est du verre. Et donc ça coûte 4 €, ça coûte vraiment pas cher, et c'est dans les tons un peu, je trouve, du voilà, de oriental, etc. Je trouve ça sympa. Vous avez ce coloris là et un autre coloris qui est gris, et la senteur, ça sent super super bon. Voilà, et ça coûte quoi, ça coûte 4 €. On passe ensuite donc à ce cadeau là en fait, ce cadeau là en fait, cette trouvaille, on va dire. J'ai trouvé ça en surfant sur Instagram, et je me suis dit tiens, je vais essayer, pourquoi pas. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram et vous avez toutes kiffé, vous m'avez demandé d'où ça vient, et là je vous le présente aujourd'hui en vidéo. C'est le vinyle en fait de chez Benny, et pour MacBook Pro. Et voilà, regardez l'arabesque comme elle est jolie. Vous avez des arabesques de cette couleur là, vous avez d'autres couleurs dans les tons bleus, vous avez aussi la Khamsa, la main de Fatma en fait, la grande main comme ça qui est vraiment sympa aussi. Et moi j'ai préféré celui-là qui fait vraiment zellige en fait, marocain. Franchement j'ai kiffé. Et donc ça donne franchement, ça personnalise votre ordinateur d'une manière de dingue, et je trouve ça vraiment vraiment joli. Et voilà, vraiment sympa à offrir aussi. Alors ça coûte pas énormément, j'ai payé ça je crois dans les 12-13 euros, avec les frais de port en totalité, ça a dû me coûter dans les 15
euros, 15, 16 euros. Voilà, et donc le site s'appelle Benny.com, donc du nom Benny Adam, donc fils d'Adam. Et j'ai trouvé ça sympa, l'initiative sympa. Et je crois que c'est des Londoniens qui ont créé ça, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, je vous présente en fait des bonbons. Alors des bonbons à offrir à vos enfants, à votre famille, à mettre ça sur la table de l'Aïd, etc. Ça vient de chez Dard et Délices et regardez le coffret comme il est magnifique, il est vraiment très très beau. Donc c'est des bonbons sans gélatine animale, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, c'est vraiment top de chez top avec des ingrédients qui sont 100% naturels. Et vous savez ce que vous mangez, vous savez ce que vous donnez à vos gosses, ce que vous donnez à vos enfants. Et les goûts sont franchement top. Alors moi qui n'aime pas les bonbons, je les ai trouvés vraiment très bons. Voilà, je suis plutôt chocolat et ma fille a vraiment kiffé. Alors ça vient bien empaqueté ici avec du papier de soie à l'intérieur. Et vous recevez donc ça, vos petits paquets, les voilà. Les petits paquets de bonbons ici, vous avez ceux-là qui s'appellent les Darly Fruits. Donc c'est des petits morceaux de fruits, vous avez des framboises, des ananas, etc. Et ça a le goût vraiment du fruit, mais le vrai goût de fruit. Vous avez ici les Darly Cherries, donc les petites cerises ici aussi. Donc des confiseries d'exception, gorgées de multiples saveurs. Dard et Délices joue la carte du naturel en proposant des gourmandises saines et délicieuses. Donc là vous avez aussi les Darly Langues, donc je crois acidulées celles-ci. Donc voilà, vous avez des petits comme ça, vous avez les petits coca que ma fille a déjà ouvert, ils sont où? Les voilà, les petits coca aussi, les petits Coca-Cola. Vous avez ici les Darly Peach acidulées, les petites pêches acidulées. Enfin franchement vous avez de quoi faire plaisir à vos enfants, vous faire plaisir à vous, aux personnes qui sont autour de vous et qui aiment les bonbons. Voilà, vous pouvez offrir donc ça à l'unité, comme vous voulez. Et vous avez aussi, donc je vous mets aussi normalement le lien, je ne sais pas si l'offre a été déjà mise en place, mais en tout cas vous avez aussi des coffrets qui vont arriver pour l'Aïd, des coffrets pour filles et des coffrets pour garçons. Donc des petites boîtes en fait bleues et des petites boîtes rose de chez Dard et Délices à offrir à vos enfants. Donc voilà pour ces idées cadeaux de l'Aïd. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez vous aussi des idées ou si ça y est vous avez déjà acheté vos cadeaux, écrivez-moi ça en barre d'infos, j'aimerais bien savoir ce que vous avez acheté. Enfin en barre d'infos, écrivez-moi ça en commentaire sous la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire de très très gros bisous, à vous souhaiter donc une bonne continuation de Ramadan. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes chippies.